Bonjour, bonjour. Connectez-vous et faites semblant de vous connecter. Merci. Bonjour, Anne-Marie. Ah, c'est chaud. Merci. Est-ce que vous venez faire un doc? Je vous connais. Doc Fawet. Partagez ma vidéo, pardon. Merci, Laure. Il y a quelque chose qui se passe quand tu fais ton saraka. Tu donnes les biscuits aux gens. Ils mangent, ils sont contents. Après, ils te bénissent. J'attends l'inspiration. Hein. Quelles sont les choses spirituelles que vous n'avez jamais appris à faire? Votre vie souffle comme ça. Là. Le biscuit c'est fini vite. Ok. C'est comme le papier. Le popcorn. J'attends que les Decepticons partent. Les langues sont ici là par hasard. Je vais vous parler de deux personnes que je connais. Bolo. Quand tu pars chez quelqu'un, ne pars pas avec les mains vides. Même un biscuit de 50, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Autre degré de chicheté, la maille a gagné.
Vous êtes chiche. Votre vie est bloquée. J'ai dit que le lavage examen, j'ai fait le lavage examen l'autre jour. Il va encore faire autre demain. Les gars, aucun de vos enfants ne va échouer. Je restaure l'intelligence de vos enfants. C'est bon, on peut commencer. J'ai une amie, ok? On se connaît depuis quelques années. Et tu vois, ce genre de femme très brillante qui a travaillé dans de grandes entreprises de la place, qui a toujours eu son rêve, a toujours été d'ouvrir sa propre entreprise. Mais ce genre de personne qu'on prend dans une entreprise, on exploite, on suce son énergie. Et après, on l'envoie au champ. Elle me dit qu'un jour, son patron lui dit, « Maëlie, si tu as payé pour ta rupture des cordes, tu payes, tu attends. Tu as compris? Tu as compris, non? Ce n'est pas parce que tu as venu me donner 10 600 que tu vas venir me mettre la pression. Ok? No pressure me. Voilà. Elle dit donc que son propre patron, il y a cela quelques années, lui a dit, tu devais être à très loin là où tu es. Ton patron, hein? Tu devais déjà avoir ta propre entreprise. Il lui dit ça. Et il lui dit ça en sachant que depuis des années, elle revendique. Ouais, finance-moi même non, je vais aller ouvrir ma part de finance-moi même non. Il dit, quiconque, rien, quiconque. Elle qui donne de là, elle part. Elle bosse encore ailleurs pour quelqu'un d'autre. Après, elle quitte de là. Elle part ailleurs, elle bosse pour quelqu'un d'autre. Et elle a toujours ce rêve. Donc, au fil des années, on était toujours en contact de temps en temps, on parlait. Ceux qui sont mes amis là, qui vous me suivez en cachette, vous avez connu Jocelyne avant, non? Donc, récemment, j'ai su ouvertement qu'elle me suit. Donc, je ne savais pas qu'elle me suivait. Et quand j'ai su ça, tu vois, j'ai besoin qu'elle te suive. Elle dit, oui, je suis souvent tes vidéos. Mais, elle te dit qu'elle suit tes vidéos, mais elle ne peut pas te... Elle ne va jamais te dire que je vais prendre un produit chez toi. Vous voyez, il y a un peu un mélange de honte et il y a un mélange de... mentalité africaine, si elle sort mon argent, je n'ai pas payé ses produits, elle va avancer. Mais je pense que c'est plus le premier. Parce que quand elle a fait ce m'a pris, je n'ai pas eu honte de me voilà. Ceux qui connaissent mes photos d'avant là, avant vous connaissez comment elle m'habillait. Maintenant, elle ne peut pas sortir, elle peut passer une journée sans m'habiller comme une reine. Je ne peux pas. Donc, elle a donc... Donc récemment, on commence à parler, je fais un peu genre, je lui donne un des produits que je fabrique. Je lui dis, bon, ça là, utilise, mets comme ça. Il dit, non, moi je ne veux pas que les gens viennent dans mon bureau, ils sentent l'encens. Je ne veux pas que les gens viennent, ils sentent ceci. Il dit, ah, ok. Ok. Ne fais pas, mamie, il n'y a pas besoin.
Tu vas te reconnaître, ma chérie. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais je dois utiliser ton histoire pour aider les autres. Ça, c'est le mois passé. Elle me dit, non, moi, je veux pas. Je veux pas que c'est un endroit professionnel. Je veux pas que les gens entrent ici, sentent les trucs là. Elle reste hier soir du genre, elle m'écrit. Maman, il faut que tu m'aides à me protéger parce que je sens que... Il dit, d'accord, on prend nos rendez-vous, on parle aujourd'hui. Parce que vous savez que moi-même là pour trouver mon temps. Avant, quand vous étiez mes amis, je courais derrière vous. Même maintenant, pourquoi tu me vois, pourquoi tu n'étais pas là, tu vas marcher derrière moi. Tu vas courir. Elle me dit, voilà, je ne sais pas quand. J'ai reçu la visite de quelqu'un ici. Même depuis que j'ai ouvert, je finis l'inauguration, le lendemain, je tombe malade. La semaine d'après, je tombe, je dis, ah, oh, ok. Vous pensez que les gens vous aiment? Vous pensez? Quand vous voyez les gens sortent souvent, ils partent marcher nu en route là-bas, puis ils entrent dans leur voiture, ils partent. Ils ont chopé la honte. Ils ont chopé la honte. Là où tu veux les voir là, ils s'en foutent de toi. Toi, tu es là, tu fais ta part pour le bien, hein, pour le bien. Tu fais ta part pour te libérer de ce qu'on a mis sur toi pour t'attacher. Mais je ne veux pas qu'on me voie. Tu viens chez moi, tu portes les grosses lunettes avec un gros masque. Tu portes le masque qui ouvre tout le visage. Alors, tu ne veux pas qu'on te voie. Ça ne me dérange pas. J'ai les VIP aussi. Bonjour, monsieur Antoine. Un jour, une personnalité de ce pays m'appelle. Voilà. Je veux que tu me consultes, mais je suis connu. Donc, je ne veux pas venir chez toi. Il vient, dis-moi ton endroit alors. Tu payes seulement, non? Il n'y a pas de problème, payer. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand tu fais ta chose, quand tu fais ta chose, tu ne peux pas être comme tout le monde là-dehors. Hein? Si tu fais ce que tout le monde fait, tu deviendras et tu obtiendras ce que tout le monde obtient. Ma copine là maintenant, elle me dit, ok, je fais quoi? Je dis, fais ça, ça, ça. Elle prend, elle écrit. Elle dit, ah, maintenant tu écoutes. Tu as la chance. Tu as la chance que tu n'as pas passé 6 mois à ne rien faire. Il y a les gens qui sont assis sur vos destinées. Tu tombes sur mes vidéos. Tu m'avais connu en 1993. Mais ce n'est pas la petite fille là qui est connue là-bas en 1993. Ce n'est pas parce que tu m'as connu que ce que j'ai ne peut pas t'aider. Il y en a mes petits là, il me voit dans le live l'autre jour là. C'est après qu'il m'a écrit en inbox pour me... C'est là que j'ai vu son... Il me dit non, qu'après qu'on s'est perdu de vue en 2021. Il dit qu'il a le Boza. Qu'actuellement là, il est dans un pays quelque part là-bas, en train de vouloir travel. Il dit que, ah, tes choses là, ça marche finalement. Écoutez, j'ai essayé. J'ai fait les choses ici dehors. Il m'avait connu quand il avait été dans mon petit appartement, un petit comme ça là. Où tu sois dans un petit studio, non? Puisque j'enseignais au salon, je dormais dans la chambre. Puisque si tu viens chez moi, tu dis que tu veux pisser, tu vas passer devant mon lit avant de partir pisser. Je vous dis, hoha. Ma chambre, tu mettais le lit, tu mets une petite table de 90 cm sur 50. C'est bon, la chambre est pleine. Même l'armoire pour mettre les habits. Je n'avais pas d'armoire dans cette chambre-là. Il dit, mais, hey, madame Jocelyne, hey, mince, vos choses-là, ça a marché finalement. Je lui ai dit, après que lave-toi avec le sel. Oui, il se lave avec eau. Oh, tant mieux pour lui. Il y en a pas beaucoup parmi vous. Vous me regardez comme le mur. Vous me regardez comme la télé. Ce n'est pas le nombre de vidéos que tu écoutes qui va t'aider. Si tu m'écoutes, après tu te laves avec le sel, oublie. Tu comprends, non? Oh, non. Pourtant, commander le kit, ce n'est pas compliqué. Commander n'est pas dur.
Prends ton téléphone. Tu as regardé ma vidéo, non? Clique en haut là-bas, tu dis que je veux le kit. Fais le virement, on te poste là où tu es. Je te suis depuis 2 ans. Je suis bloqué dans ma vie. Wow, ceci ne marche pas. Ceci, je dis que ouais, tu dormais pourquoi? Tu dormais pourquoi? Vous aimez dormir. Il y a encore une autre. Quand tu vas regarder ceci, tu vas te reconnaître. Combien de fois on doit se laver avec le sel par mois? Pardon, répondez à Désiré. Combien de fois par mois? Tu te laves combien de fois par an, ma chérie? Deux fois par jour. Mes vidéos t'ont aidé au Maghreb avec les produits. Super. Donc ce jeune homme, je le connais depuis 2 ans. C'est un formateur. Il forme et il a les gens qu'il a formés. Donc, il a une académie, il a des gens qui travaillent pour lui. Depuis 2 ans que je le connais, c'est quelqu'un de très talentueux, mais bloqué. Quand mes choses ont commencé, il y a des gens qui, quand ils viennent devant eux, je fais seulement. Ils disent bonjour Jocelyne. Je dis oui, bonjour. Tu m'appelles José, je dis oui. Tu m'appelles Reine José, je dis oui. Tu dis ma reine, je dis oui. Tu dis, je dis que demande oui. Il me dit, depuis 2 ans qu'on se connaît. L'autre jour, on fait une réunion parce que chaque vacances, j'ai besoin de lui pour faire l'école des enfants. En passant, payer les sessions de vos enfants. Si les enfants sont dans les autres villes, ils peuvent venir à Douala. Ils passent un mois. Vous suivez l'homme. Il passe un mois. Donc, c'est une colonie de vacances. Donc, cette année sera la colonie. Donc, il arrive cette année. Pendant qu'on est en train de faire des réunions pour. Je le vois, je le salue. Il dit bonjour, ma reine. Il dit que ah. Ça fait 2 ans qu'il était rencontré. Tu m'appelais Madame Jocelyne. Comment tu dis, Madame, ma reine? Troisième, quatrième réunion. Il me dit, bon voilà, moi je te suis depuis, hein. Il dit, ah bon? Moi je te suis depuis, hein. Écoutez, les gens sont bloqués ici dehors. Parfois quand tu vois mes vidéos, ton frère là qui ne me connaît pas là. Envoie souvent mes vidéos. S'il veut regarder, regarde. Tu as fait quand même ta part. Paye-moi le lavage à distance de ton frère. Paye, je travaille sur ton frère. Ça va ouvrir ses yeux peut-être. Il dit qu'aujourd'hui, il arrive, il s'assoit devant moi. Quand tu vas regarder la vidéo, si tu vas reconnaître, tu vas te reconnaître. Il me dit, je parlais avec ma femme hier, que vraiment, quand on finit la réunion, il dit, est-ce que je peux vous parler sérieusement, vraiment? Vraiment, moi, je dois vous parler sérieusement. Oui. Je disais à ma femme hier, je disais à ma femme hier que, vraiment, mes choses n'avancent pas. Je n'ai jamais été autant bloqué de ma vie. Il dit, ah. Ce n'est que quand quelqu'un souffre réellement qui peut ouvrir ses oreilles pour écouter tes conseils. Il me dit, je te suis depuis, hein. C'est un de mes cousins qui m'a montré ta vidéo. Depuis que mon cousin m'a montré ta vidéo là, moi je te suis. Je suis tes directs, hein. Il dit, bonjour à ceux qui me connaissent. Il dit, là c'est chaud, franchement, tu dois me dire ce que je dois faire. Tu dois me dire. Je parle. Il note. Ok. Il dit que donne, prends tel produit. Tac, il se lève, il prend. J'utilise comment? Je fais comment? Non, c'est quand ma mère était vivante. C'est du vivant de ma mère qu'elle faisait les choses comme ça. Ta mère n'est plus.
Donc tu vas laisser ta vie comme ça là. Tu vends les terrains. On signe les deals, on ne te donne pas l'argent. Tu veux que je te montre tous les blocages que tu as? Maman, il était concentré. Regarde-moi, ça m'a dit que je ne coupe plus avec quelqu'un. Ah non, Firon, je ne coupe pas derrière toi. C'est toi qui sens dans ton corps. En fonction de ce que tu sens dans ton corps, c'est toi qui vas dire, je veux travailler sur moi. Parce que l'affaire aussi, c'est la résistance. Si tu fais et que tu n'as pas d'énergie, parce qu'il y a des gens qu'on vous a tellement bloqué que quand tu commences ton travail spirituel, tes choses se gâtent seulement. Tu croyais que tes choses étaient gâtées jusqu'à ce que ça commence à vraiment se gâter. C'est là que tu dis que... Mais je pensais que je devais prendre ça, mes choses allaient s'améliorer. Pourquoi ça se gâte seulement? Mamie, parce que le genre de blocage que tu avais, c'était le blocage plus. Oui. Il y a des gens dans votre famille qui connaissent. Il y a des gens dans votre famille qui connaissent pourquoi tu n'as pas encore voyagé. Il y a des gens qui vous ont bloqué dans les pays arabes où vous êtes là. On t'a bloqué là-bas. Il y a des gens de ta famille qui savent que là où tu es, tu devais avoir déjà deux immeubles. Tu veux déjà avoir acheté au moins trois terrains. On te traite toujours comme l'enfant. Tu n'es plus l'enfant, hein, ma chérie. Tu as l'âge qu'on fasse la réunion familiale. Toi aussi, tu sors ton argent, tu donnes. Et prenez 500 000 là-bas, vous mettez sur la cagnotte familiale. Vous avez dit qu'il faut rassembler 2 millions, non? Prenez 500 000. Le reste de 1 million, c'est là. Je laisse les 15 membres de la famille cotiser ça. Il y a des gens de votre famille qui ne veulent pas que vous sachiez ce que vous enseignez. Parfois, tu peux avoir un frère qui avance, il connaît les choses aussi, il fait. Il prend l'autorité sur ses frères. Donc, il va faire les incantations de telle façon qu'il soit toujours au-dessus de ses frères. C'est le genre de personne qui construit les immeubles, il emploie ses frères-là. Maintenant, toi, l'enfant du frère, il faut aussi de telle façon que toi-même, tu restes bloqué. N'est-ce pas, tu es tombé sur mes vidéos? Tes yeux commencent à souffrir un peu, non? Tu as dit que tu veux déménager de sa maison. Comme il a dit que non, vis chez moi. J'ai la dépendance derrière. Parce qu'on sait que tous les nions vont venir se servir dans toi. On sait que toutes les nuits, on vient puiser dans toi. Je vis chez mon oncle. J'ai 35 ans. Tu vis chez ton tonton. Derrière. 35 ans que les gens sont mariés, ils ont 3 enfants. Dès qu'un prétendant vient, l'oncle dit non. Peut-être qu'il est même marié avec toi spirituellement, tu ne sais pas. Dès que ton père voulait un peu faire un truc comme ça là, tu l'envoies dans l'école qui est chère. Pourquoi? Le lycée là, c'est 15 000, non? Paye le lycée là, oui, c'est 40 000. Tu veux la mettre dans l'école de 500 000, pourquoi? Comme ça qu'on bloquait ta destinée dans l'enfance. Tu veux partir en Europe, le père a l'argent pour payer le Canada. Le père a l'argent pour payer le Canada, hein? On te dit non! Non.
Non. En voilà même ici au Sénégal, non? Félix, envoie la photo de tes enfants, je fais le travail à distance sur eux d'abord. Que tu veux dépenser 25 millions, pourquoi pas au Canada, pourquoi? Avec 3 millions, elle peut aussi au Gisela, non? Tu payes tout au Sénégal. Voilà comment ton oncle est venu gâter ta destinée. Te voilà. Demain, tu finis au Sénégal, tu tournes, tu tournes. Entre-temps, ton père meurt. Comme tu es au Sénégal, là, les oncles restent ici prendre tout son argent. Tous les terrains de ton père, on prend. Tu as 40 ans, tu tombes sur mes vidéos. Une femme qui me suit, elle me dit qu'elle a rencontré, elle a son chocolat, non? Ils ont commencé à commettre ensemble, là. Et puis, ils ont pris quelques jours de jeûne. Elle n'avait pas parlé de moi son chocolat. Hein. Elle reste le deuxième jour de jeûne. Le chocolat lui envoie la vidéo, ma vidéo. Il dit, écoute bien la femme, si. Bonjour à toi, la chocolate, et bonjour le chocolat. Dis bonjour à toi, je vous salue les chocolats. Dis écoute la femme, si, hein, écoute là. Elle dit que le jour là, elle a reçu même 10 de mes vidéos. Il tombe sur le vidéo, titre, il écoute, il télécharge, il lui envoie. Elle riait seulement. Que je connais la femme depuis un an. Après, il lui dit que je devais être riche depuis. Hein. Quand il écoute les vidéos, je devais être riche depuis. Oui, mon frère. Oh, Seigneur, quand on te bloque, hein, tu as tous les alibis, toutes les excuses. Pourquoi tu n'as pas encore avant? Non, tu sais, je ne suis pas pressée. Je veux prendre mon temps. Tu as toujours une excuse. Donc ton gars qui était en Beng, tu l'avais présenté aux gens de ta famille. Vous étiez encore bête de temps là, non? N'est-ce pas? J'enlève la bêtise de votre corps et de votre esprit. Au nom de Jésus. Mais je suis belle aujourd'hui, Jesus. Mon teint là, ça sort, ça déjà aujourd'hui jusqu'à. Bonjour mes jaloux, j'avais oublié qu'il y avait les jaloux dans le direct ici. Bonjour, bonjour. Les jaloux qui ne commentent jamais, parce que tu crois que si tu commentes, c'est que Facebook va me donner 500 000. Bonjour, j'avais oublié, bonjour. Tu vois, moi, il brille aujourd'hui, non? Non, c'est bon ça, merci. Tu es en train d'être exorcisé de la bêtise. Tu as ton gars comme ça, là, on t'embrouille le cerveau. On t'embrouille le cerveau. Tu dis que ouais, il faut que je présente mon chocolat aux gens. Dès que tu présentes à une, deux personnes, bien, c'est fini. C'est fini, hein? Bébé, je suis trop occupée. Bébé. 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 Ils te donnent les excuses qui n'ont pas de sens.
Humilité. Les parents sont complices sans savoir parce que généralement, un parent ne veut pas ton mal. Généralement, un parent ne veut pas ton mal, mais il ne sait pas quand on l'utilise. Parce que ses frères qui l'ont utilisé là ont pris son énergie à lui-même. Il y a certains de vos parents qu'on a volé leur étoile. C'est leurs propres frères qui ont pris. Donc quand tu grandis là, on compte calcul déjà. Bonjour à vous tous. Donnez-moi les cœurs. Je trouve que je suis très jolie aujourd'hui. Franchement. Attendez, je rapproche ma lumière. Regardez comment elle brille. Donc, certains de nos parents ont été exploités, abusés par leurs frères et sœurs. Et ne croyez pas que vous êtes à l'abri de ça. Hein. Parfois, c'est les frères et sœurs, même père, même mère. Donc, ils viennent comme ça là. Quand vous allez m'apprécier, je vais vous envoyer en brousse, non? Tu me connais bien. Dali, toi là. Donc, beaucoup d'entre vos parents, tu vois ta mère, non? Tu sais que ta mère est très belle, très intelligente. Vraiment. Et je suis maintenant ton Netflix. Tu vois ta mère, tu vois moi, tu regardes ta mère, tu sens qu'elle était jeune, elle était belle. Et tu la vois, elle va les avocats. C'est maintenant toi l'enfant que tu essaies même de percer. Et tu sais que pour percer, tu as dû te discipliner. Maman, lave-toi avec le sel. Elle ne se lave pas. Maman, pense à tu verses à la maison avant de dormir. Maman, brûle l'encens. Tu appelles maman. Maman, tu as brûlé l'encens à la maison. J'étais rentrée, j'étais fatiguée, non? On a bu la manière à la réunion, non? Chez ma peau, ma Jackie. On est arrivé là-bas, gna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 gn
Donc voilà, tu pars en Beng, tu fais ton premier voyage, tu reviens. Tu repars dans votre maison familiale, tu ne comprends pas comment tu as même vécu là-bas. Ton esprit te dit que ça, ce n'est pas la vie que tu étais censé vivre. Tu rêves, tu te mets. Moi, maman, je suis venue de Beng, mais je peux pas dormir ici, maman. Je peux pas. Mais maman, regarde les toilettes. Parlez gentiment à vos mères, pardon. Et au temps, fait ton mot. Elle va te gifler. Je suis pas seule dans ma tête. Je confirme. Non, je suis pas seule dans ma tête, je vous assure. Maman, je peux pas dormir ici. Mais maman, regarde les toilettes, maman. C'est pas possible, ça. Il dit toujours que Dieu a su, il a pris ma mère vite. Parce que moi, la bouche que j'allais sortir sur ma mère. Aïe. Mm-mm. J'ai dit, mais maman, je peux pas. C'est, maman, mais maman va te coiffer. Hein? Mais maman va te coiffer. La coiffure, c'est 3000 au quartier. Va te coiffer, maman. C'est quoi ça? Regarde tes cheveux. Mais maman, va faire tes ongles. Oh, Seigneur. C'est ça, Maëlys. Si vous en avez grondé. Bonjour aux membres de la famille qui sont ici parce qu'on les a grondés. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Mais maman, regarde le Kabbalah. Depuis que j'ai 8 ans, tu portes le Kabbalah. Maman, il faut jeter ça. Hmm? Je déclare que vous êtes le Joseph de votre famille. Je déclare que malgré tous les efforts de votre famille pour vous arrêter, vous êtes le Joseph de votre famille. Et vous serez celui qui va tirer le nom familial jusqu'au sommet. Je déclare qu'on va connaître votre famille à cause de vous. Pour indiquer votre famille, votre maison ou la maison dans votre quartier. On dit, tu vois, vous aurez une référence. Oui. Oui, tu connais la fille qui est... Oui, qu'elle est sur les réseaux sociaux comme ça, là. Elle est brune comme ça là. Oui, tu vois sa maison qui est là-bas, non? Quand tu arrives là-bas, tu descends comme ça là, tu vas arriver, voilà. Tu seras une référence. On va passer par toi pour indiquer les choses aux gens. Oui, tu vois le salon de beauté de Bafoussam là. Oui, le grand salon qu'elle a conçu à 100 millions là, oui. Quand tu arrives là-bas, tu tournes à gauche comme ça là. Après, tu descends, tu arrives à la maison. Vous serez une référence. Vous serez une référence. Mondiale même. Oui. Au nom de Jésus. Je détruis tous les plans. Tous les plans. Les plans potiphariens. Les plans des frères de Joseph là. Qu'on a donné sur votre vie. Pour vous arrêter. Dieu a montré à Joseph dans ses rêves quand il était jeune. Certaines familles, vous avez eu des rêves. Parfois on arrive dans notre famille comme ça. Là, on passe ton oncle, on te voit. On dit que l'enfant là. Ton oncle utilise le mot là, il peut te bloquer avec. J'annule tous les plans qu'ils ont faits pour te bloquer. Je les annule. Je déclare que tout ce qu'ils ont fait pour t'enterrer, ça devient maintenant le trampoline pour te soulever pour que tu arrives au sommet. C'est ça qui devient le trampoline. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien. Je vous libère. Je vous libère de l'emprise. De l'emprise mentale. Vous savez qu'il y a les familles où même la douche moderne, là, dans votre famille, on n'a pas la douche moderne. Maintenant, le Seigneur te met ça à cœur. Mais le Seigneur te met à cœur. Tu vas créer une entreprise qui sera connue à l'échelle mondiale.
Tu vas. Je déclare sur vous que tous les rêves que Dieu a mis dans votre cœur quand vous étiez petit, ça renaît. Oui. Je vous fortifie. Tu as derrière le numéro Orange Money, non? Vous s'aimez, envoie, je bénis ces offrandes. Je déclare que vous allez être connus à l'échelle mondiale. Vous allez raconter votre histoire, que j'ai commencé. Je vous dis toujours que quand il commence mon histoire, que j'ai commencé à Tungan, à Bafoussam, Tunganville. Oui. Et je monte seulement. Oui. Toute prophétie que le Seigneur envoyait quelqu'un quand tu étais petit, on a donné sur toi. Et les gens utilisaient ça pour te bloquer. Je déclare que ça, l'effet inverse se passe comme l'histoire de Joseph. Toute personne qui a vu tu es parti en Belgique t'a bloqué, que comme elle est là-bas, elle va rester, elle ne va rien faire. Depuis 10 ans, ta mère est morte, ton père est mort, tu n'as pas pu les enterrer parce que tu n'avais pas de papier. Reçois ton titre de séjour. Reçois la renaissance de tous tes rêves. Moi, je te regarde, moi, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? J'ai bloqué tous les enfants de la famille ici. Mais elle, écrivez, mon cas est différent. Allez-y. Allez, levez-vous. Lucie, levez-vous. On ne va pas vous bloquer. Je déclare que tout ce que l'ennemi a forgé contre vous, c'est sans effet. Thème, on dit bonjour et on dit quoi? On ne va plus vous faire douter de vous. Tout oncle, et aussi le Seigneur montre qu'il y a aussi des oncles qui réussissent dans la famille en prenant l'étoile des enfants. Ce genre d'oncle qui aime toujours que oh, je veux être le parrain de tel enfant. Et sans le savoir, vous venez toujours lui donner qu'il soit le parrain de vos enfants. Comme ça, il prend les étoiles de tout, il accumule les étoiles de vos enfants. Tu grandis, ton oncle fait la concurrence avec toi. Il y a les familles qui, vous avez les étoiles très fortes. Maintenant, il y a les gens méchants, je ne sais pas si c'est méchant ou égoïste. Ils se lèvent en premier, ils partent ramasser pour tout le monde. Il y en a même qui ont les remèdes pour le commandement, qui font de telle façon que personne dans sa famille ne va se lever. Je vous dis, tout oncle ou toute tante qui est devenu ta co-épouse, quelqu'un change tes couches, tu grandis, il devient ton ennemi. Je te donne la victoire sur cette personne aujourd'hui au nom de Jésus. Comme tu m'écoutes, comme tu es connecté à ce ministère, je viens écraser la tête du serpent de cet oncle-là, la tête du scorpion de cet oncle qui vient te piquer la nuit au nom de Jésus. Je détache les menottes. Si vous avez lu de blindage, mettez ça sur vos mains. Vous pouvez tracer un truc comme ça, là, comme les menottes, comme ça. Tu mets un trait d'huile, l'huile bénie ou l'huile de blindage. Je détache les menottes spirituelles et physiques. Certains parmi vous, vous travaillez. Ton oncle a ouvert un kiosque qui t'a mis dedans. Chaque mois, il y a le manquant sur l'argent. Et tu t'endettes. Tu travailles, le manquant paye ton salaire. Écoute. Le manquant qu'il y a sur la caisse, c'est ça qui est ton salaire chaque mois. Il s'est arrangé avec toi qui va te payer 50 000. Chaque mois, tu reçois 5 000 francs. C'est la prison, ma chérie. Achetez-lui de blindage. Chaque mois,
Il y a toujours une personne qui va venir prendre. Et tu avais planifié que non, je travaille ici là 6 mois. Après, je n'ai pas ouvert ma part. Ça fait 6 ans que tu es chez la personne. Toute prison spirituelle, toute personne qui t'emploie et c'est une couverture pour t'utiliser dans le spirituel, c'est une façon d'avoir un accès à toi pour te faire du mal. Oh, prenez le Orange Money ici là. Oh, Orange Money, attendez d'abord l'argent. Attendez, je donne d'abord les détails de l'argent. 655 31 0750. Le nom c'est Abbé Solo. Envoyez l'argent pour vos bénédictions. Si vous êtes à l'étranger, je vous donne le code. Attendez, je cherche. J'oublie souvent qu'il y a des jours où je viens faire les prophéties. Le code Orange Money. 58 68 54. Donc pour payer, tu composes ceci. Tu fais 1150 étoiles 47 étoiles 58 68 54 10. Et après tu mets le montant. Bon, je continue mes bénédictions. Je m'accorde avec toi, toi qui viens de faire cette semence, et je déclare au nom de Jésus que tu ne manqueras pas. Je déclare que ta vision s'ouvre encore plus. Je te donne la force mentale pour tenir. Que là où avant on te prenait, on te mettait au sol, qu'à partir d'aujourd'hui, on te décourage n'importe comment, tu tiens debout au nom de Jésus. Ntolo, il n'y a pas de pitié, pitié ici. Hein. On ne supplie pas Dieu. Dieu, c'est un businessman. Dieu fonctionne avec des accords spirituels. Quand tu fais que pitié, pitié, pitié. C'est comme ça. Vous êtes bloqué, vous attendez tout que quelqu'un vienne vous sortir de là où vous êtes. Quand tu es dans un trou, tu te lèves, tu creuses un trou, tu mets la main dedans, tu creuses, tu mets la main. C'est comme ça que tu montes des escaliers pour sortir. Je déclare que vous n'allez pas vous fatiguer de faire votre travail spirituel. Tout ce qui a bloqué les membres de votre famille, je vous sors des fosses collectives. Je vous sors des trous collectifs au nom de Jésus. Cindy, reste dans ton trou. Hein. Tu as compris ma chérie? Je bénis ton trou. Mets le matelas dans ton trou, tu dors là-bas. Tu as compris? On sait que vous aimez être bloqué. Restez dans votre blocage seul, pardon. C'est Dieu qui décide. La Bible dit ce jour, having done all things, après avoir tout fait, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Reste là-bas, tu attends. Non, Dieu viendra. Dieu me sauvera. Parfois, même quand tu attends, tu apprends. Tu apprends. Comment faire pour sortir de ce trou? Comment prier? Il y en a parmi vous, vous ne savez pas comment prier. L'importance de semer. Il y en a parmi vous, vous partez à l'église. Tu touches un salaire de 2 à 300 000. Tu donnes toujours 500 francs à la quête. Tu ne connais pas qui a la dîme.
C'est quand on t'enseigne la dîme, tu commences à payer ta dîme, tu commences à comprendre. Dièse 150, étoile 47, étoile 58, 68, 54. Et le nom, c'est de Gidiga Academy. Merci beaucoup, la reine Larissa. À Abidjan, on poste. Mais fin du mois de juin, je suis à Abidjan. Donc, on poste pour Abidjan. Je bénis vos offrandes. Mais je rappelle toujours que vos offrandes, ce n'est pas pour moi. Quand tu donnes, c'est parce que tu es en train de passer un accord avec Dieu. Un accord. Un accord. La parole qui est sortie de ma bouche t'a touché. Ça t'a localisé. Comme ça t'a localisé, maintenant toi tu dis, oh super Seigneur, je reconnais le vaisseau par lequel tu as parlé. Galates chapitre 6. La Bible dit verset 6. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne, qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va aussi moissonner. Celui qui sème pour la chair moissonnera aussi la chair, la corruption. Et après, il dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Pour Abidjan, vous écrivez, on va vous envoyer ça par DHL. Les frais de DHL là-bas, c'est 35 000. Donc, si tu veux un kit de 55 000, tu vas payer 55 plus 35. Donc, 90. Donc, mes amis qui me regardent là, ne me regardez pas seulement. Payez vos produits, vous faites. Non, je la connaissais, je la connaissais. N'est-ce pas, elle avait son petit de son centre ici là avant. Oui, la petite fille là, non. Et parfois, quand tu tombes sur mes vidéos, hein, n'essaie pas de convaincre les membres de ta famille. Hmm? Souvent, c'est tellement voix. Beaucoup de personnes me connaissent. Ils vont voir mes vidéos, ils passent. Ils te voient en train de regarder. Ah, tu regardes la fille là. C'est une escroc, hein. C'est une escroc. Oui. Tu vas le surprendre, demander de regarder ma vidéo. Parfois, on m'achète en anonyme. Achète, si ça t'aide, c'est bien. Mais tu m'avais insulté. Tu m'insultes, tu achètes encore. Cindy, c'est toi qui viens de parler ici là, non? Maintenant, tu me poses, je vais te bloquer, Cindy, tu as compris? C'est toi qui as d'abord dit ici là que tu veux mettre le matelas dans ton trou, non? Que c'est Dieu qui va décider quand tu vas sortir. Maintenant, tu dis comment faire pour ne pas se décourager? Va te laver le sel. J'ai des personnes comme toi que j'aime moi supprimer de ma vidéo. Oh yeah. Tu es la référence, Larissa. Merci. J'ai fait dans le développement personnel. J'ai fait. Quand il faisait ça, il y avait quelque chose qui manquait.
Il y avait quelque chose qui manquait. Ce que je fais, hein, je suis un mélange de pasteur, coach et magnéti. Je ne peux pas te dire là où je peux pas te dire là où la limite se trouve. J'étais d'abord pasteur. Après, j'étais coach. Dans les deux, je pensais que j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Quand je suis revenu, quand mon côté magnéti s'est ouvert, jusqu'à j'ai accepté. Voilà. Ça, c'est vraiment fait. Tu vois comme quand tu alignes le. Tu joues le baby tout là, non? Le poker là. Ça s'est aligné, ça fait. L'argent a commencé à sortir. Ding, 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 ding. Il y en a parmi vous, vous raisonnez trop. J'ai un coach qui m'a contacté l'autre jour. Oh, tu sais, je suis coach aussi, comme toi. Je suis coach. Dis-moi, je voulais que tu me. Il a dit, ma chérie, tu as les démons sur toi. Et c'est toi de dire avec tes démons. Ça, tu viens pas avec l'arrogance. Mais viens pas avec les. Je suis. Je commence à me dire, mais non, tu dois me dire. Je pouvais voir le wattisage dans ses paroles, bien sûr. Vous savez, quand vous voulez m'écrire le gros français là, je vous dis que j'ai pas. Pardon, laissez-moi, j'ai pas le doctorat. J'ai pas le doctorat en écriture. Mais je peux quand même dire avec les démons qu'il y a sur toi. Souvent, quand les démons là parlent, ils me connaissent. Le tout, c'est que vous devez comprendre, c'est que. Ce n'est pas quelqu'un, on ne sait pas qui veut, on se lève facilement pour faire. Tu dois être appelé. Oui. Tu dois être appelé. Parce que les démons là, hein, dans le monde là. Imagine, on a un démon n'arrive pas à bloquer quelqu'un, la personne arrive chez toi. Le démon dit, on l'a empêché de venir chez toi. Ça veut dire que dans les sphères là, ils me connaissent. Hein, mes décepticons là, mes jaloux qui sont possédés là, n'est-ce pas? Ils me connaissent, non? Ils sont dans vous. Amen. Cindy, pardon, sors de mon direct. T'as compris? Sors de mon jet, Cindy. T'as compris? Je peux reconnaître les décepticons à distance. Je vous connais. Je peux vous sentir, je sens vos énergies ici. C'est le genre de personne qui va te faire, tu vas te poumonner. Elle ne va jamais rien acheter, jamais rien lire et jamais aboutir à quelque chose. Je n'ai pas ton temps ici. I don't have time for that. J'ai juste compris que les livres... Oui. Pour les livres, ça, sa saison, oui. Madame, votre machine a besoin qu'on connecte à l'imprimante. Oui. Parce qu'il est là. Il était où depuis? On a dit 10 heures. Il est quelle heure? Enlève 500 sur son argent. Dis-lui comme ça. On peut faire du business. Tu es là, tu ris avec lui. Il fallait que tu payes un peu son argent, que ça ne suffit pas. Tu allais voir comment ça. Il a été montré les attitudes. C'est le chargeur. Il faut prendre le chargeur. Les livres, je compte faire une bibliothèque carrément qui va aider, parce que tu peux lire un livre, ça te fait faire 40 ans dans le désert. J'espère que vous suivez ce que je veux dire. Tu peux lire un livre qui te bloque l'esprit, tu fais 40 ans dans le désert. On te demande, mais pourquoi tu n'avances pas, pourquoi non, tu sais, non, je veux d'abord. Non, ma paille spéciale. Non. Un livre que tu as lu.
Fais très attention. Et ce n'est pas ce que tout le monde lit, ce qui est populaire, qui va forcément t'aider. Parce que le truc, c'est que la majorité de ces livres-là ne tiennent pas compte des principes religieux, spirituels. Et beaucoup, ce sont les personnes qui sont à l'étranger, ils ne connaissent pas nos traditions. Donc, il y a beaucoup parmi vous, on attend les livres que vous allez écrire. On attend les livres que vous allez écrire. Qui vont nous aider. Imagine, tu lis un livre sur le succès. Hein, qui est écrit par un Camerounais traditionnaliste qui a eu du succès. Non mais attends. Il connaît d'abord les réalités de Bepanda. Il connaît les réalités de Douala. Il se met, il commence à t'écrire. Et les gens qui sont là dehors qui ont réussi, je vous en prie. Même tu n'as pas parfois besoin de réussir pour écrire le livre. Si c'est ta vocation, écris, ça va aider les gens. Écris, ça va aider les gens. C'est vrai, je lisais les livres, je lis, there's something here. There's something here. Et moi, j'ai horreur des gens qui bavardent beaucoup. Les gens qui vont vous sortir toutes les grosses paroles dans rien. Oh, je connais étape 1 dans tel livre, chapitre tel, il faut faire ça. Après, tu regardes la vie de la personne. Tu ne vois pas le devant derrière. Mais applique ce que tu dis. Bon, je pense que j'ai résumé tout ce que j'avais à vous dire. Le but final, c'est que ceux qui me suivent, qui sont mes ceux qui me suivent, qui sont mes amis là, achetez vos produits. Ok, monsieur Félix, j'ai reçu les photos. Tu n'as pas les photos des visages des enfants? Tu me montres les jolies jambes de ta fille, papa. Je ne travaille pas avec les jambes. La deuxième photo est claire, mais les autres, non. You're not a man, oh. You're not a man, no. You're the old who opens doors no man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything's no man like you. No one like you, Jesus, no one like you. No one like you, Father, no one like you. No one like you, hey, no man, no
one like you. Yeah, master. You're the God of everything. No one like you. Envoyez les photos pour le lavage des examens. On va en faire un demain et la semaine prochaine encore, dimanche. J'aime beaucoup les chansons gospel. Bon, je prends la photo que je mets sur mon statut. Super, si tu vas protéger les tiens, c'est bon. Bon, vous passez une bonne soirée. Moi, j'ai terminé. Il faut que j'aille manger mon gâteau des épaules. Que cette lumière illumine votre journée. Et quand vous faites votre travail, ne vous découragez pas. Ça peut donner le matin, à midi tu es découragé. Chaque fois que tu es découragé en faisant ton travail, c'est parce que ta réponse arrive. C'est parce que ta percée est déjà là.